beaucoup été très emballés par le fait d'écrire un livre. Ce projet, accompagné par Lecture Jeunesse, du coup, de créer un objet livre, même si c'est numérique, très transversal entre l'enregistrement, l'interactif, l'illustration, le texte. Ça nous invite vraiment à faire ça. Comment, avec tout le groupe, on avait pu faire un vrai livre numérique. Certains ont fait les dessins, d'autres ont écrit, d'autres ont donné simplement des idées, d'autres, on a même un jeune qui était très bon au saxo, qui nous a fait la musique de Numouk. Si ça aide les élèves à un petit peu dédramatiser. Avec les élèves, ils se sentent acteurs parce qu'ils ont choisi des contenus numériques qui les concernent, du son, de l'image, etc. Et ils défendent d'autant plus. Chose étonnante, écrire n'est pas seulement faire des recherches sur Internet et faire un copier-coller. On a lu, on a étudié beaucoup de textes en rapport avec la ville, on a vu plusieurs extraits de films et on s'est aussi inspiré chacun de nos lectures personnelles. On commence à écrire l'histoire, à choisir les personnages qu'on peut faire, le personnage principal. La meilleure façon du coup de les impliquer dans l'écriture, et c'est de faire confiance aux ados. C'est de les amener à écrire sur des thèmes qui les touchent, parce que c'est ça qui va les inspirer, c'est ça qui va les débloquer en fait. C'est très pluridisciplinaire. On n'a pas forcément tous la même manière de penser, de voir les choses. Donc du coup, bah, chacun s'inspirer de ce qu'il pense, de ce qu'il vit aussi dans sa vie. Nous avons slamé tous ensemble. Au début, j'avais peur, je croyais que j'allais pas réussir. Et après, j'ai vu le matériel que j'avais, je me suis lancée et j'ai réussi. Il y a énormément de jeux d'écriture qui sont hyper accessibles sur Internet, dans des livres. Il y a pas mal de livres d'animation, d'ateliers d'écriture qui existent. Et moi, je m'en inspire beaucoup pour trouver des petits jeux très ludiques. C'est comme une boîte à outils. Et tout ce qu'ils ont appris en fait, dans le projet, en fait, je pense qu'ils vont piocher. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils piochent plus tard dedans. De manière générale, un atelier d'écriture libère la parole et permet de faire un panorama, si je puis dire, des thématiques qui intéressent les jeunes aujourd'hui. Ça leur a permis d'exprimer leur talent aussi. Voilà. Et peut-être de dire des choses qu'ils ne pouvaient pas dire autrement. Oui. Du coup, la dimension nationale de Numouk, la dimension de « on va publier quelque chose qui va être accessible sur Internet », ça donne encore plus de poids à cette parole. Je suis contente d'avoir réussi à écrire le livre. On est toujours fiers quand on fait quelque chose, et surtout là, c'était tous ensemble. Ils veulent écrire d'autres recueils, ils ont d'autres poèmes, donc ils veulent les mettre dedans. C'est cool, ça ouvre des portes, quoi.